comme ça. Là, on va fermer la porte. Hop. C'est bon. Alors, je vais juste prendre mon téléphone parce que je crois qu'on m'a volé mon truc là, mon Ford. Ça m'énerve. Mais je me suis levé et j'ai vu qu'il était plus là. Je vais quand même aller vérifier si c'est pas un rêve parce que par moment je fais des hallucinations. Ouais, c'est ça. Il est bien. Donc, on va prendre le téléphone. On va composer le 17. Bien. Allô? Allô? Et bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle Oui. pour vous signaler un vol de tracteur. Ah, il se... C'est un tracteur, c'est un Ford de 8340. De couleur bleue. D'accord. Et ça s'est passé il y a combien de temps? Bah, ça a dû se passer cette nuit, puis je me suis levé, mais je me suis dit que à cette heure-ci, je n'allais pas vous déranger. À 3h du matin, j'allais pas vous appeler. Minuit, 3h du matin, voilà. Vous aurez eu mon collègue, vous aurez pas eu moi. Ok. Donc, c'est la ferme. La ferme des vaches, je sais pas si vous voyez. Si, je vois. Ok. Vous pouvez passer me voir ou pas pour que je vous puisse. Pour que Oui, je puisse là, signer des papiers sûrement. j'arrive. Ok. Merci. Rien. Au revoir. Au revoir. On raccroche. J'espère qu'Ilian ne va pas tarder à arriver aussi. Du coup, il va pas faire grand chose, il va juste aller voir si les vaches vont bien. Le gendarme, il est déjà là. Et les flics derrière. Il y a les gendarmes et puis il y a quelqu'un derrière. C'est ici l'entrée. Gardez-vous sur le côté à droite là, en rentrant. Ah, Kylian avec son bolide de gendarme. Je vais juste. Là. Il ralentit un peu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Je vais juste le dire à mon collègue de faire ses activités et j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je suis D'accord. là dans quelques minutes. D'accord. Salut. Salut. Ça va? Très bien. Tranquille. Tu peux aller voir les vaches, enfin juste voir s'il reste ce qu'il faut. Parce qu'on s'est fait voler le Ford. Oui. D'accord. Du coup, je suis en train de m'occuper avec monsieur le gendarme. D'accord. Allez, je te laisse faire ça. Allez, à toute. Hop. Donc voilà, le Ford se trouvait là-haut, là, dans le hangar, là où il y a les piles de bottes, là. Au Ouais. fond, en haut. Et je sais pas, cette nuit j'ai entendu un bruit. Je suis sorti. Et j'ai plus vu mon tracteur, j'ai vu des traces de roues qui repartaient Ouais. vers là-bas, et puis après je sais pas où il est parti. Il est sorti de ce côté-là ou de l'autre côté? De ce côté-là. Et après, vous savez pas où il est parti? Non, je l'ai vu partir au fond. Je suppose qu'il a été vers l'autre village là-bas, mais sans plus. Mais c'est un Ford 8340 de couleur bleue. Il a Avec un un chargeur. chargeur devant avec une fourche et une masse à l'arrière. Et je crois que c'est tout. Vous pouvez me prévenir quand vous l'aurez retrouvé parce que c'est assez embêtant. Oui, bah je me doute que c'est assez embêtant. Parce que en fait, c'est mon seul tracteur pour enfin, c'est le seul tracteur qui me sert à nourrir les vaches. Après, moi, de mon côté, je vais demander à l'ETA s'ils en ont un et que vous le prêtez. Ah oui, mais ça m'arrangerait bien ça. Ou autrement, au concessionnaire, je crois. Il n'y en a pas des Ouais, tracteurs là. je vais faire un tour vers l'ETA, là, qui peut Mais il voir suffit s'il est juste pas par là. que. Faut juste aussi que j'appelle mon assurance du coup. J'appellerai mon assurance dans la journée. Je vais aller voir l'ETA s'ils ont pas ça, s'ils ont ça, je reviens vous voir. Ok, merci. Rien. Y a pas de Au papier à revoir. signer ni rien? Non. Non, ok. D'accord. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est bon, t'as été voir? Ouais, ils les ont à manger et tout. Il y a peut-être y avoir un peu moins, mais comme on n'a plus de Ford. Bah Tu ouais. l'aurais pas vu quelque part, toi? Tu t'es pas promené pour voir si. Non. Non?
Par contre, j'ai une nouvelle voiture à aller chercher. Parce que je garde la BM Ouais. aussi, mais j'ai trouvé une voiture pour le convoi et j'ai des plaques et des gyrophares dessus. Du coup, je vais prendre la voiture en session. Je peux prendre ta voiture? Ouais, tiens. Tiens, Merci. clac. Comme ça, tu reprends ta voiture après. On monte. Voilà. Hop, on démarre. C'est joli comme voiture. Je n'ai jamais conduit. Ouais. Par contre, c'est long. Hop. C'est un beau Allez, faut que je fasse gaffe de pas mordre le trottoir. bah oui. Parce que là. C'est dès le passage, tu me dis à droite s'il y a quelqu'un. Et quoi? Il y avait personne. Bon, de toute façon, j'ai passé un peu plus vite comme d'habitude. Il n'y a jamais personne en ce croisement. Et tu vas me dire aussi le village, il est un peu perdu. Hein. Monsieur, il est passé. J'espère que le concessionnaire va être ouvert parce que il se fait 7h30, mais voilà, je vais pas demander s'il était ouvert avant. Si ça se trouve, il est pas là. Ah, en tout cas, je vois la voiture est là. Elle est jolie, hein. Par contre, on va faire la marche arrière. C'est pas facile avec ton truc, là. Ah bah non, non. Oh là là. Oh là 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 là. J'espère que je tape dans rien du tout. Voilà, on va arrêter le moteur. C'est bon. Je vais voir dedans s'il n'y est pas. Voilà. Monsieur, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, il doit pas être là. Il a laissé un mot sur la table. Voici les clés de la voiture. Je vous envoie la facture. À la prochaine. On va prendre la nouvelle voiture. Et il a des presses quand même. Elles sont jolies, hein. Faudrait peut-être investir dans une autre presse, hein, Kylian. Ah ouais. Dans une presse parce qu'on n'en a pas. Ouais. Le thé est passé avec sa grosse machine là. Hop, on monte dedans. Ah mince, j'ai oublié de lui demander de mettre la CV. Oui, attends, je mets la CV. Hop, bzzz. Allô? Ouais. Ouais, c'est bon. Allô, ça Ouais. va? Bon, il est beau, le petit bolide. Ouais, mais c'est pas la BM. C'est C'est sûr. moins confortable. Après, c'est juste la voiture pour la firme. Ouais. On peut dire qu'on gagne des millions, mais on peut au moins s'offrir une voiture. Bah, sûr. Tranquillement. Tranquillement. Ici, on va ralentir. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a toujours jamais personne dans ce bled. Tu es toujours d'accord avec moi? Il n'y a jamais personne dans ce coin. Bah oui. Hormis des gens à pied. Ah, je vois dans le rétroviseur qu'il y a le gendarme qui arrive. Ah oui, si, je vois aussi. Hop. Je vais garer la voiture. Je vais garer là comme ça. Je coupe la CB. Hein. Zut. Hop. De toute façon, lui, il va pas aller au champ avec parce que. Ah, monsieur le gendarme. De toute façon, Kylian, il va pas aller au champ avec parce qu'il faut qu'il recolle le tracteur avec la benne.
Il faut aussi que je demande au concessionnaire s'il a fini mon... Mon fente, parce que... Bonjour, enfin rebonjour. Rebonjour monsieur. Est-ce que vous avez Oh, une bonne nouvelle à m'amener? j'ai retrouvé votre Oh... tracteur. Il est où? Il est dans la forêt derrière le terrain. Le TA, ouais, c'est là-bas. Ah ouais, et vous... Bah, juste, sans être indiscret, j'aimerais bien Oui. savoir qui a tenté de voler mon tracteur quand même. Enfin, c'est pas une tentative, il a réussi. Vous pouvez faire des Ça, je tests peux ADN ou pas? pas. Bah ça après faut voir ça c'est pas avec moi qu'il faut aller voir c'est avec Parce que moi, si je récupère le tracteur comme ça, je peux bien très bien avoir le lendemain ma moissonneuse qui se casse. Hein. mais mettez une alarme dans ton bois de fer ça sera mieux au moins Ok, qu'il y en ait déjà une. ben, j'ai des alarmes normalement dans chaque véhicule, mais je me dis sur un vieux truc comme ça, qui c'est qui va voler ce truc-là? Ah la preuve vous avez eu Un la preuve là. vieux Ford des années 1970, monsieur, je comprends pas. Oui, mais bon, maintenant, c'est très recherché, maintenant. Oui, mais ça se vend pas des milliards et puis c'est pas un outil de Non. collection. Non plus. Enfin, je sais pas, mais ce qui est plus de collection, c'est la BMW que j'ai de l'autre côté. Hein. Et une bonne voiture, hein. Une X5. Donc vous me le Comment tu fais? ramenez sur un plateau ou faut que j'aille le chercher? Bah faudrait que. Bah de toute façon j'ai pas les clés donc je peux pas l'amener. Ah bah les clés sont pas dessus? Sauf que j'ai regardé ça là. Non il les a enlevés. Ah bah il s'est barré avec, bah du coup attends, attendez, je sais pas si j'ai les doubles. Parce que Kylian, t'avais laissé ou pas les clés dans le Ford toi? Non, non. Non? Tu les avais sur toi ou... Ouais. Là Ouais, normalement sinon tu mais les avais ils avec toi. sont dans ma voiture là. Va les chercher. Je vais. Clé. Au moins qu'il y a, ou à moins qu'il y ait quelqu'un qui s'amusait à prendre vos clés puis en refaire d'autres. Tiens. Oui, merci. Que ça, c'est probable aussi. C'est Tenez les probable clés. aussi. Merci. Parce Bon, bah, je vais vous le que... ramener du coup. Oui, mais c'est bizarre parce que... C'est que toi, Kylian, qui est passé là. Hormis l'autre. L'autre que j'ai eu avant, mais... Franchement, il a pas fait l'enfeu, il m'a planté mon tracteur et puis... Avec votre collègue et encore et le théâtre qui passe le plus là-bas, il y a le théâtre qui passe le plus là-bas. Oui, mais il y a plus là-bas. Oui, là-bas, c'est l'auteur. Vous pouvez pas questionner le monsieur de l'auteur? Par hasard. Si je pourrais, mais là j'ai regardé, il était pas chez, il était pas là. Ok. Bon bah je vais pas vous retarder plus longtemps, déjà que je vous embête. Mais non. Et du coup, je vous ramène votre tracteur. Ouais, merci. Vous pouvez le Bah. poser juste dans la cour ici et puis laisser les clés dans la boîte à outils. D'accord. Merci. Au revoir. Ouais, bonne journée. Donc, si tu... Bah, comme tu vas les moissonner là. Il y a Ouais. le 7930 qui est là-haut, avec la benne, tu vides la benne et puis tu termines de moissonner. Je vais Je essayer peux de... avoir Avoir quoi? clé du coup. Attends, je vais chercher. Hop, ici. T'as un problème de corde vocale, c'est assez bizarre. Tu dois être enrhumé un peu. Ok. Tiens les clés. Du coup, moi je vais prendre un autre tracteur et je vais préparer le déchômage de tout à l'heure. Juste qu'on va faire cet après-midi. Quand t'as fini le champ, tu me dis comme ça on mange et puis cet après-midi t'attaques l'autre champ. À tout à l'heure. Il a assez enrhumé. C'est bizarre. D'habitude, il est pas comme ça. Je sais pas si l'ETA doit m'amener encore mes bottes. Ah tiens, je vais appeler le mec de l'ETA pour savoir. Hop, on prend ça. Bzz, bzz. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Oui. J'aimerais savoir si vous avez fini de me livrer mes bottes de paille. Non, il m'en reste encore. D'accord. Vous pensez compter me livrer ces dernières bottes quand? Bah quand j'aurai le temps parce que là j'ai d'autres occupations là. J'ai des D'accord. betteraves qui sont commencées. Ah oui, vous êtes dans le champ juste à côté de ma ferme là. Ouais. Je crois que vous avez vu. Ok. Moi, je vais pas vous déranger plus longtemps. Quand vous aurez le temps, vous me
ramènerai les Ouais. bottes. Il Ah, n'y a c'est pas de vous avec problème. le classe là-bas avec une ronde 2 heures. Oui. Ah, ok. J'irai voir le matos peut-être tout à l'heure. D'accord. Ok. Allez, Au bonne revoir, monsieur. journée. Au revoir. Au revoir. Je sais pas si c'est mis sur la CB qui vient. Hop. Je mets la CB, moi il me. Bzz, bzz. Non, il est pas connecté. Ah si. Ah si, tu viens d'allumer la CB? Ouais. Je descends, je vais juste avec le tracteur. OK. On attelle la masse. J'ai mis la masse, mais sur le fent, je pense que ça va pas servir. Je pense que je vais changer plus tard le 815 parce que là. Tu vas me dire que je fais un peu beaucoup de changements, mais. Voilà, le 815, il me plaît pas trop. Il y a le Ford qui arrive. Ah. Ah oui. Hop. On va aller atteler le déchaumeur. C'est bon. Ah, bah il y a le. Il y a le. Comment ça s'appelle? Le gendarme qui arrive. Vais mettre le fent ici. Et la poule elle se gare pas, du coup laisse tomber, je. Allô? Ouais. Ouais, j'ai fini le champ. Démarre l'autre et. Dès qu'il est 11h, 11h30, tu me dis. Ok. Comme ça, on. On verra ça. C'est le champ 1, non? Celui qui est juste à côté. Ok, d'accord. Hop. Il va plus m'entendre du coup. Je vais juste passer dans un autre. Il va prendre le Ford, tiens. Pourquoi il a baissé tout ça totalement? Il a les roues qui n'est pas en l'air celui-ci. Ah, voilà le Ford. Un plaisir. Ouais, il est 11h30. Ah, déjà? Ouais. Je vais pas leur passer. Je viens à la ferme. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Oh non. C'est une pub, comme d'habitude. Oh là là, les pubs. Je me demande à quoi ça sert. Hop, je vais laisser le Ford d'ici. Je coupe la CB, hein. Je descends. Voilà. À toute. À tout. Je mets comme ça. Comme ça, cet après-midi, on va pouvoir aller chômer et puis. Je sais pas où il est rendu. Peut-être avoir besoin d'aide. Il va peut-être rentrer avec la BM au pire. Je sais pas s'il a les clés, mais. Bah, je vais voir. Un peu. Oui, hein, un tout petit peu. Ah bah tiens, il est avec la BM. Ouais. Ouais. Ah, ça m'énerve les pubs là. Je veux pas répondre aux pubs. Oui. Ouais. Donc, ouais, rentre à la Ok. ferme, on va manger. Attends. Allez, à tout à l'heure. Okay. Eh, fais gaffe à ma BM. T'inquiète, je suis un pilote. Un pilote. Il se croit un bon pilote. Pilote de l'extrême. Ah, c'est pas possible. Hop. Même pas regarder en traversant. Hop là, tranquillement. Ouais. Ouais. Allez, on va manger. Normalement, il y a des trucs sur la table. OK. Allez.
Ouais, on a bien mangé, hein. C'était bien bon. Ouais. Ouais, on avait garé la BM. J'étais revenu la regarder parce que c'est un peu gênant. J'ai un peu collé trop au mur et je sais pas comment j'ai fait pour passer, je suis une sardine, moi. C'est juste par là, je vais redécaler un peu. Hop! Voilà! Juste à décaler un petit peu. Hop! Ah bah, il repart avec la. Juste carré la BM en marche arrière ici. Hop, on va l'arrêter. Jolie voiture. Allez hop, on monte dedans. Là, on démarre le tracteur. On lève. Non, on lève la masse. On lève le déchaumeur. Les poulets vont m'énerver. Je crois que je vais les décapiter. J'ai pas dit le clignotant. Hop. Hop. Le gyrophare. Tiens, ça sert de mettre un gyrophare ici parce qu'il n'y a personne dans ce big paumé. Hop. Ouais, par contre, il a tout laissé là. Il n'a pas pensé à moi. Ouais, du coup, je vais arrêter. Enfin, je vais le laisser comme ça. Démarrer le champ. Ah, bah oui, l'entrée là. Je vais laisser les clés sur la voiture comme d'hab. Il va sûrement me voir. Encore un petit peu, on va prendre le 7900. Ah, je regrette de pas encore avoir le 724 là. J'espère qu'il va revenir en bon état. Ah, il faut aussi que j'appelle le concessionnaire pour savoir quand il me le ramène. Je sens que je vais avoir une belle note à payer à la fin du mois. Oui, parce que je prends des contrats avec le concessionnaire. Hop, on descend. Ah, il va peut-être embêter ici, oui, il va se démerder. Parce que sinon, ça va être le bordel pour moi. Hop, du coup, on coupe les gyrophares. On déplie. C'est parti. J'espère que je vais pas avancer de cailloux parce que sinon je vais être obligé de changer les disques. Tranquillement. On va voir si la terre est. Je vais m'arrêter là, je vais voir si la terre est bonne. Si elle est bien retournée. Et arrêtez de la motionner, c'est ce qu'il fait. Je sais pas. Ça va, c'est propre. Je vais monter dedans. Je vais mettre la CB. Bzzz. Kylian, t'es là? Ouais, Oui. t'es là? Ouais. T'as arrêté la motionneuse? Non, non, mais elle la voiture qui gênait. Ah oui, moi elle me gênait du coup dans mon champ du coup. Bon. On va faire ça tranquillement. On lève. On tourne tranquillement. Je sais pas, toi t'aimes bien le 815 là, le tracteur que j'ai.
Pas trop. Moi non plus. Pourtant, je suis fan de Fent, mais pas de cette catégorie-là. L'intérieur n'est pas aussi beau que le 724. Ah oui, il va se promener le mec de l'ETA. Ah bon, on ira vers 4 h. Je veux dire, de venir boire un café ou une bière. Ok. Comme toi, il Ouais. fait chaud, du coup, c'est plus une bière qu'un café. Ah là là, je suis content, ça marche bien. Hop. Hop là. On baisse. Hop, ça tranquillement. Hop, on est sur la fin du champ. On va baisser ici. Hop, cette ligne-là, et après, on va voir si je fais le champ de Kylian qui est en train de faire actuellement tout de suite ou si je le fais plus tard. C'est ce levier-là. Il se fait quelle heure? 16 h! C'est passé vite. On voit bien qu'on est parti un peu tard parce que aussi on a discuté. Hop. Juste regarder. Oh, il a bien avancé dans son champ. On a fait une. Ça dure une petite demi-heure, une heure. Ça va. Hop. On tourne. Je vais nettoyer le matériel. Oh non, il est pas très sale. Le tracteur n'est pas très sale. Hop. On veut. Ça me clignotant de mes deux là. Je vais dire de s'arrêter, je vais faire un signe. Hop, je sais pas s'il a compris. J'espère qu'il est pas trop débile pour comprendre ce signe. Je vais garer l'engin ici. Là, c'est bon. On pose ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il détache. Eh, pas besoin de détacher. Ok. Il a un problème de voix en plus et il est en train de gueuler comme une chèvre. Hop, on arrête le moteur. Qu'est-ce qu'il est en train de. Eh, ça sert à quoi d'avoir des gyros allumés? Rien. Tiens, prépare les bières là. Tu sais, c'est dans la cave au fond à gauche. Prépare les bières, va aller chercher au fond à la cave au fond à gauche. Ouais. Je vais chercher le mec de l'ETA. On va prendre la petite BM. Je vais peut-être aller lui demander s'il veut peut-être boire un petit coup. La bière fait maison en plus. Fait maison par ma grand-mère. Voilà. Simplement. C'est pas une maison super loin, mais. Ah, en plus, il est en train de vider, je crois. Pourquoi j'ai pas pris l'autre? Ah bah, l'autre, il est au champ, j'ai oublié. Ah bah, hop, il est ici. Là, action. Prince pas un coup. Juste. Je vais laisser la voiture allumée. Hop, je ferme la porte. Bonjour. Bonjour. Vous avez une belle machine là? C'est qui a fait le tir, quoi? C'est votre gosse ou c'est un délire avec votre entreprise? Non, c'est la marque de la machine. Repas Eurotiger. Venez voir à l'arrière. Ah oui, Euro Tiger. Ah oui, Tiger pour tigre. Non. Ah oui, Tiger. C'est très intéressant. Enfin, je trouve ça un style assez bizarre. Là, vous avez l'ensemble d'Aben et tout. Ah, le gros case. J'ai jamais vu encore celui-ci. Non, pas Vous encore. êtes tout nouveau vous, chez vous. Et encore, vous avez pas vu le plus ancien.
Un vieux truc. Ah c'est ouais, mais il tente toujours. Il a plus de Allez. 20 000 heures, mais il tente toujours. Je vous propose une petite bière avec mon pote. Ouais bah j'arrive. Enfin, mon Ah bah le ouvrier. Mais voilà. qu'est-ce qu'il fout? Je lui ai dit d'aller préparer les bières à la cave. Qu'est-ce qu'il fout, Bon, lui? du coup je viens avec le tracteur chez vous parce que la benne elle est pleine, faut que j'aille. Ah, ok. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Je t'ai dit d'aller chercher les bières. Je suis venu voir la machine. C'est un euro, c'est une Tiger 6 avec un tigre au-dessus. C'est assez joli. Bon, bah, on va pas perdre de temps. Il va prendre son tracteur et il va nous suivre. Okay. Passe devant. Hein. Hop. Voilà, j'avais laissé le contact. Ah, putain, les suspensions de la BM. Merde. Je vais mettre le clignotant. Je me suis peur qu'il est super large. C'est à côté de laisser ce tracteur au milieu de la route. Enfin, au milieu de la cour. Voilà, on est bien là. Je recule un petit peu. Puissant de cette voiture qu'on accélère. On va se garer là comme ça. Sur le cul, c'est qui va rentrer dans la voiture. Hop. On arrête le moteur. Je suis là, son tracteur. Oh, non, j'ai rien pris. Et là, on a. Vous voyez, bah, il est là. Oh, j'espère qu'il n'a pas entendu. Rien entendu. Mais qu'il se met pas devant la porte, parce que sinon, comment on va rentrer dedans? Monsieur, est-ce que juste. Oui. Je peux monter dans votre tracteur parce que je suis assez intéressé. Oui. Votre Ah. collègue, il a laissé le feu allumé de sa voiture, mais c'est pas son problème si la batterie elle est morte. Bon, bah, il allait lui dire. Oui, mais il a entendu, il est parti. Hop. Vos feux arrière, ils sont allumés. Ah, c'est joli. Hein. Je peux le démarrer ou pas? Vous pouvez. Oui. Ah, la clé est là. Oh, quel bon ronron. Ah oui, ça braque bien ce que je vois. Je vois les Ah, il est roues tout qui neuf, remontent. celui-là. Il faudrait bien qu'il braque, hein. Il est tout neuf. Ah oui, mais ça doit pas être le vieux tacos que j'ai, le truc 8340. Je vais arrêter ça, je vais descendre. Et vous avez su ou pas que je me l'étais fait voler? Lequel? Le 8340. Ah non. Et ils l'ont retrouvé à côté de chez vous? Ah, c'est pour ça qu'il y a une voiture de gendarme qui est venue chez moi. Oui, c'est pour ça, il m'a dit qu'il vous avait pas vu. Par contre, dites à vos collègues de descendre de là-haut. Hé, arrête de faire le singe! Sinon, je t'amène dans un zoo. Possible Ah non, ça. vous voulez une betterave pour bouffer du sucre pour mettre dans votre Non, camion. vivant. Ah non, mais j'en ai marre, il fait le singe. T'as mis où les bières? Tu les as mis là, sur la boîte aux lettres. Très intéressant. Hop. Voilà. Tenez. Tenez. Ah oui, j'ai fait une découverte aussi, l'ancien propriétaire. Venez voir ce qu'il a caché. Il a fait de belles gâteries. Hein. Voilà. Mes joyeux Ah ouvriers. d'accord. Mon Il y a ex. la même ici, hein. Il y en a la même ici. Il les a accrochés partout. Ce monsieur était assez D'accord. intéressé. Je sais plus qui c'était le propriétaire, mais. J'ai bien raté. J'ai bien enlevé ça depuis un petit moment. Ça fait Bon, quand pour même votre... 5 ans que je suis là. Hein. Combien de temps que vous êtes là? 5 ans. Déjà. Moi, ça fait à peine 2 ans. Bon bah, à la vôtre. La vôtre. Mon abruti d'ouvrier, il se cache où? Il est perché sur les bottes encore. Hé, descends de là. Allez, tiens, la tienne. Tu vas peut-être te rentrer, toi, Kylian? Parce que sinon, tu vas faire des heures sup, je vais devoir te payer en plus. Vu que j'ai pas assez de monnaie, je change de véhicule déjà assez C'est souvent. pas faux. Je sais pas pour Et qui vous ça se habitez désorcelle. où, vous, Kylian? Vers L'île de Beauvoisin, là-bas? le pont, Le Beauvoisin, c'est ça qu'il m'a dit l'autre jour. ouais.
La ville de Beauvoisin, vous voyez, à côté du BGE, enfin, le biogaz, là, le truc, c'est Ouais, énorme qui prend de la place dans cette ville, enfin, dans ce quartier, si on peut dire. Bon, bah, moi, je vais vous laisser, c'est parce que je vais aller voir mes petites vaches. Ah oui, bonne journée. Oui. je peux vous poser une question? Oui. Je peux laisser mon arracheuse à betterave dans votre cour ici? Oui, si vous voulez, mettez-la derrière. Moi, je vais la mettre là-bas où il y a le casque. Ici. Ouais. Mais je vais plus dormir de l'autre côté parce que de ce côté-là, je vois pas, je dors en face là-bas. Et comme j'ai peur de me faire voler comme mon 8340, votre belle machine. De toute façon, moi j'ai des alarmes sur sur les machines Vous et j'ai les clés voulez. dans les poches. Vous avez les trucs géolocalisables aussi? Oui. Ah, ok. Bon, ça me gêne pas du coup, vous pouvez le mettre à court. Bon, je vais le mettre de l'autre côté quand même. Faites ce que vous avez à faire, moi ça me gêne pas. Bon, je vais l'éviter. Ok. À plus. Et bon, bah, moi je vais te laisser parce que faut que j'aille voir les petites vaches. Ouais. Allez, salut! Merci. Ouais, je vais laisser le fond. Je vais remettre juste une petite goutte de paille parce que la si on avait déjà été faite. Voilà. Une botte de paille. Je vais juste la dérouler là-bas comme ça. Ouais, je vais juste la poser dans le mangeoir et la jeter. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, c'est pas la première fois que j'utilise ce tracteur, mais ça fait longtemps. C'est les ouvriers qui le font. Hormis quand j'avais plus d'ouvriers et que c'était le stagiaire. Vais poser. Ici, tiens, je vais fermer la porte ici, je vais la poser dans le truc. Hop, on va fermer, on va ouvrir la porte plutôt. Hop, ici, on ferme cette porte. Problème avec les portes. Saleté de porte. Et tu vas pas t'ouvrir, hein? Sale gosse. Ah là là, pas grave. Je vais la poser comme ça dans mon entre la barrière. Hop. Ah là 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 là. Poser ça. Ici, je vais enlever le fil, je vais l'étaler un peu là, un peu de ce côté-là. Ah là là. C'est quoi ce téléphone là? Kylian, qu'est-ce qu'il a encore? Kylian, tu m'entends? Kylian, Oui, qu'est-ce qu'il y a? j'ai deux femmes noires. Quoi? Allô? Putain, qu'est-ce qui s'est passé encore comme connerie?